Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un vinyle qui m'a beaucoup plu. C'est en fait la bande originale de la mini-série Tchernobyl qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a été acclamée par la critique et de presse et public. Et en fait, cette bande son a été réalisée par, alors je vais peut-être écorcher un peu le nom, j'en suis désolé, Hildur Gunnar Thordóttir, en fait, qui est une artiste, compositrice islandaise et qui a notamment été récompensée par son travail sur le film du Joker. Et là, elle a fait un travail vraiment extraordinaire, je trouve, pour recréer l'ambiance de cette catastrophe majeure du XXe siècle. Ce qui m'a beaucoup plu, comme j'expliquais, c'est d'avoir été capable de pouvoir faire ressentir à travers la musique une atmosphère, un danger qui au final ne se voit pas. Et je trouve que à travers ce qu'elle a réussi à composer, eh bien, ça a une part extrêmement importante hein, dans la compréhension qu'on a pu avoir de la catastrophe et qui se retranscrit extrêmement bien, notamment dans la série. Alors, même s'il faut l'avouer, l'atmosphère et la musique n'est pas forcément très facile d'accès lors des premières écoutes, si je devais choisir un titre, ça serait le quatrième titre de la première face, qui s'appelle, là encore, désolé pour décorcher un peu le nom, Vishanaya Pamiat. Et en fait, il est vraiment magnifique parce qu'il est un peu plus conventionnel que les autres titres de cet album. Et où en fait, dedans, il y a des chœurs, il y a vraiment une certaine. Je trouve qu'on ressent bien l'esprit russe et une forme de complainte en fait, qui est retranscrite à travers les chœurs, qui en fait un des titres, je trouve, extrêmement marquant et d'une grande beauté.